Vraska contre Raggy. On choisit déjà Rainbow Cruz. Je pense fortement qu'ils font soit un button check. Raggy? Raggy, si tu... Ok, c'est ça. Je me demandais si c'était un button check. Je trouvais ça très douteux. On appelle ça de gentleman rule, hein, tant que le Théo dit oui. Ah, vous seriez-tu une? Vraska contre Reggie avec des stems dans Rainbow Crew. Pas comme 16ème 2 qui a été choisi. Vraska contre... Vraska. Robin contre DK. Vraska qui s'entraîne tranquillement pas vite. Il va aller à Get on My Level avec la gang de Rouen. Raggy, malheureusement, qui ira pas. Ça va faire un bon training quand même pour Vraska. Il n'y aura peut-être pas d'ensemble beaucoup de DK, mais en même temps, on parle de Smash puis Get on My Level. On sait jamais qu'est-ce qu'on peut avoir. Raggy qui est déjà monté à 31%, même pas 42%. Vraska qui a un bon contrôle du terrain pour le moment, mais est-ce que Raggy va trouver l'ouverture? On réussit avec le F-Smash. Non, F-Smash F-Fair plutôt. Nair, on essaie d'amener l'adversaire sur le terrain, mais Vraska réussit à starter son combo. Perd sa Levensward. Réussit à lander Nosferatu. Déjà monté son adversaire à 130%. Un smash que de pas lander, on a fait des neutral. On évite le boule de feu, mais malheureusement l'impact le fait que touche pareil. Et le petit Thor, je pense. Bref, l'attaque électrique que tu es. Déjà réussi à monter son adversaire à 24%. Soit 43%, alors que. Ça n'a 60. Aïe, à chaque fois que je veux dire des pourcentages, ça change. 91% et Vraska meurt. Un beau petit neutral. Je reviens dans quelques instants. Bon, désolé, je suis revenu. J'avais une petite affaire à dire. Donc, deux vies chaque. Raggy qui est. C'est pas si dangereux que ça à 123%. Une vie chaque. Chaque adversaire, Vraska qui a déjà mangé quelques pourcentages, mais cherche l'ouverture pour faire les premiers dégâts à son adversaire. Thoron, je pense. Non, c'est Thor, juste Thor peut-être que Landy. On essaie les upairs. Quand les attaques électriques, on essaie un fair de la part de Raggy, ça n'a pas Landy. On perd la Levi's World. On essaie des smash, mais Donkey Kong. Oh, on veut-tu ding-dogger? On a manqué le ding-dong. Peut-être qu'il n'y avait pas le bon pourcentage. Je suis pas assez ferré en pourcentage de ding-dong pour vous dire exactement ce qui se passe. Ouais. 110 à 102%. Situation très dangereuse pour les deux joueurs. On continue avec un upper, ce qui a fait enlever le premier match en faveur de Raggy. Mmh.
Moi, je choisis Flora Fury dans Smart Battlefield. Est-ce que ça va être le même match-up? On reprend Robin. On reprend DK. Même match-up. Draggy qui prend son temps. Il y a un button check. Draggy qui a des problèmes avec sa manette. Fait qu'il y a eu un button check. Con. Fait qu'il y avait des problèmes avec la manette de Raggy, mais il est censé l'avoir réglé. Sauf qu'il y a eu des boutons qui ont été changés dans le setup de Raggy, où Raggy avait oublié de changer les boutons depuis la dernière fois qu'il a joué. Donc, le bottom check de Raggy qui a été fait. On retourne avec les mêmes personnages, le même tableau, même la même musique. All right, everyone. Bridger here. That was the most janky ass shit I've ever played in my entire life. All right, Raggy. All right. Raska down B. Faire un petit peu HP 4%. 101% sur le DK. T'as buté. Oh my god, le read avec le dent. Clap. Ça a fait un gros clap. Alright, up air, in air. Oh là là, c'est tellement dangereux. Oh! Beau side B. Oh, c'est tellement dangereux. Up air. Beau back air. Tellement dangereux pour Vraska en ce moment. Je vois pas vraiment de hope en ce moment. Nair, forward air. Oh! Nair, down air kill avant le forward air du DK. Up B. 114%. T'es encore en bracket, toi là? Mais non, je me suis SD contre moi. 146%, c'est ça a l'air vraiment pas. Ah, le Léon t'a changé! 146%. Le Léon t'a changé! 2-0. 2-0 Raggy. Yeah, maintenant on a mis les caméras sur le côté. Ah, c'est cool. 2-0 Raggy. Yep, 2-0 Raggy.